Le nouveau maire de Bouaflay, Asie Serge Kofi, a été victime d'un accident de la circulation ce mardi 5 avril 2022. Asie Serge Kofi, maire actuel de Bouaflay, a échappé à la mort ce mardi. Selon une bonne source, proche de cette autorité municipale, son véhicule de commandement a fait une sortie de route à quelques kilomètres d'Abidjan. Avant le péage d'Attingué, l'accident a eu lieu vers 13 heures avant le péage d'Attingué. Le maire était en partance pour Bouaflay. En fait, cet accident est survenu du fait de la mauvaise conduite d'un automobiliste. C'est en voulant éviter ce dernier que la voiture du maire s'est retrouvée dans le décor, a expliqué ce proche du maire Asie. Il y a eu plus de peur que de mal. Je pense que les gens ont un peu exagéré en disant qu'il est entre la vie et la mort. Il n'en est rien, puis notre interlocuteur s'est voulu rassurant, il y a eu plus de peur que de mal. Je pense que les gens ont un peu exagéré en disant qu'il est entre la vie et la mort. Il n'en est rien. Toujours selon notre source, le maire Asie a été transporté par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire à Abidjan pour recevoir les soins. Actuellement, il est en train de subir une série d'analyses médicaux. On attend de voir ce que diront les médecins. Lire aussi Tonki, 57 cas de grossesse enregistrés en 4 mois dont une petite de 11 ans. Soulignons que l'annonce de l'accident de la route du maire Asie a ravivé les douleurs des populations qui s'efforcent d'oublier le décès tragique de son prédécesseur Léye Bi Lucien. Celui-ci avait perdu la vie dans un accident de la circulation dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021, lorsqu'il se rendait à Yamoussoukro. Par ailleurs, l'on se souvient que l'élection du Asie à ce poste avait suscité des tensions au sein du conseil municipal. Après des heures chaudes, il finalement était déclaré vainqueur de cette élection et intronisé.